développer les questions de leadership chez les plus jeunes. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos frères du lycée et du collège Chouan Pitard de Nassau. Veuillez bien les applaudir, s'il vous plaît. Voilà, donc l'idée vraiment, c'est de développer les questions de leadership, de compétition et d'innovation chez les jeunes, afin qu'ils soient les meilleurs leaders de demain. Donc, sans plus tarder, nous allons accueillir le président du comité d'organisation, qui est nommé M. Bénédicte Kofi-Tola, qui, avec son équipe, va travailler à racheter pour que cette journée ait lieu. M. Tola, je vous remercie. Un modèle pour la jeunesse congolaise.
pas de lettre congolaise, c'est pas m'avoir dit merci pour tout le travail abattu. Cela nous a touché, nous a poussé à donner le meilleur de nous. Et qu'après votre départ, nous vous promettons que nous continuerons le combat et hisser le Togo, notre nation, sur les rails de l'indépendance. Bon retour chez vous et que Dieu bénisse la coopération entre les États-Unis et le Togo. Je vous remercie de votre attention. Je suis heureux de vous informer que très bientôt,
nous ferons la sélection d'une nouvelle promotion, le Big Boursier, qui représentera le Togo aux États-Unis en 2019. Cher Boursier Yann, ce jour est une belle opportunité pour vous rappeler votre expérience et amis. J'espère que les présentations et les échanges vous donneront l'opportunité de renforcer votre engagement de citoyen pour agir positivement à la bénéfice de vos communautés. Le thème de cette journée, jeunesse, innovation et développement, reflète bien les objectifs de l'initiative. Et comme apparemment vous avez choisi de partager vos expériences avec vos plus jeunes frères venant des lycées de la capitale, je suis persuadé que les échanges de ce jour auront un impact durable. Chers élèves, pour moi, vous êtes les futurs boursiers du programme YALE École. J'espère que l'expérience de vos aînés vous tracera la voie à suivre pour devenir les leaders de qualité pour ce pays. Mais la vérité est que nous ne sommes pas ici pour parler de ce que le programme YALE et le gouvernement des États-Unis ont fait pour les jeunes Congolais. Mais nous sommes ici pour parler de ce que les jeunes Congolais feront pour le Togo. Je devais répéter à mon maître de crise que je vois le Togo comme un pays en mouvement. Une croissance économique forte, des investissements judicieux dans les infrastructures, des réformes politiques, toutes ces choses sont importantes. Mais pour que le Togo décolle vraiment, cela dépendra d'une génération émergente de leaders. Plus que toute autre chose, cela dépend de vous tous. Dans cette salle, vous êtes dynamique, talentueux, optimiste et plein d'énergie. Et votre présence dans cette salle démontre déjà que vous voulez et vous pouvez faire la différence. Pour conclure, permettez-moi de dire ceci. Vous êtes encore au début de votre voyage. Mais quelques années plus tard, lorsque vous aurez des grandes affaires, vous serez en train de diriger une importante ONG ou en train de servir le pays en tant que député, ministre ou même président. J'espère que vous vous souviendrez. Qu'à vos débuts, il y avait des gens qui avaient beaucoup de monde. Par conséquent, j'espère qu'alors, vous rendrez au peuple qui dépend de nous et vous aiderez à se lever. Car c'est ainsi que nous bâtirons un Togo plus prospère, plus démocratique et plus en sécurité pour tous les Togolais. Tout en formulant les vœux de plein succès, à votre rapport, je déclare ouvert le forum YALE École.